Salut YouTube, bienvenue sur cette nouvelle saison de PCM. On est en retard, bien sûr, parce que il y avait le Steam Neo Festival. Je sais pas si je mettrai les intros ou je mettrai juste des coupures. Et ce sera des épisodes, des lives qu'on fait sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre, lien en description. Tout ça, n'hésitez pas à liker, à partager cette chaîne et cette série. Pro cycliste, on fait pas du carrière... Avec une équipe, on fait du pro-cycliste, on va faire monter un coureur. Comme d'habitude, oui, je ferai aussi des coupures, parce que des fois, peut-être, je me muterai parce que je parlerai en live. Et des fois, je dis des conneries en live. Des fois, je réponds à des gens, et du coup, voilà, il y a des coupures aussi. Voilà, ce sera sûrement comme ça sur toutes les prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue. Le profil proposé aujourd'hui favorise les grimpeurs. Mais je suis pas un grimpeur encore. Mais je suis pas encore un grappeur, malheureusement. En plus, j'ai un malus. Je commence, je suis déjà défoncé, j'ai un malus en plus. Ah, j'ai pas lu. Je suis tellement dépité, j'ai pas lu. Ouais. Compliqué. Compliqué, monsieur. Compliqué, monsieur. Je vais essayer, hein, mais franchement, compliqué. Hein. Clairement, on fera pas les 20 km. Attaque! Il n'a pas dû étudier le parcours pour s'engager si tôt dans une telle échappée. Les coureurs vont devoir ouais, quoi, on peut essayer à la descente. Essayer de se placer au début. Faire les points. Sur le plat qui va arriver après. C'est les 20 km, franchement, à part sur ce plat. Si j'arrive pas à faire les 20 km sur ce plat-là, jamais j'ai fait les 20 km. Il y a toujours un coéquipier dans le groupe. Ça compte. Ça compte, chef. Ça compte. On va se cramer un peu là, parce que sinon je pourrais jamais faire les 25 km. Faut au moins qu'on remplisse un objectif. Franchement, le grimpeur, bah c'est mort. En plus, il y a le grimpeur dans l'échappée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont 15, il y a le grimpeur dans l'échappée. Peut-être qu'il va arriver à prendre aucun point, mais bah, le grimpeur, c'était mort. J'aurais dû le savoir avant même qu'on commence la course tout à l'heure, mais... Tu tentes rien à rien, comme on dit. Hein. Regarde-moi, regarde la gueule de la barre verte par rapport aux autres. Oh. Je suis juste explosé, là je suis en train de m'exploser pour rien là maintenant. Plus de 2 minutes d'écart au dernier pointage. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent on va voir si à 70 je peux prendre des relais. Si à 70 je peux prendre des relais, je pourrais peut-être faire les 25 km. Mais au-dessus de 70, maintenant ça va être compliqué. Toi derrière moi, ouais, je vais pouvoir faire quelques relais. Mais c'est pas beaucoup, hein. Pas beaucoup plus que je pourrais faire. Sur cette. Je pourrais pas faire. Ah oh, putain, mais ils roulent trop, ils roulent beaucoup trop. 70, je peux pas faire plus que 70, moi. Voilà, nous avons dépassé la première moitié de course sur ce kilomètre. Franchement, si j'arrive à faire top 100, ce sera déjà pas mal. Oh mon dieu. Immonde. Oh mon dieu, je suis avec Talman. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Ah, c'est dire à quel point je suis en train de toucher le fond. Il a largement augmenté son rythme. Oh purée.
Il n'a même pas commencé la montée. Déjà mort. Objectif finir. Oh. L'objectif de fou, hein. Vraiment l'objectif de fou, hein. Objectif finir. Enfin, même eux, ils arrivent à plus être frais que moi. Ah, je veux pas être dernier. Mon Dieu. J'ai jamais vu aussi peu de jaune. Ah bah là, je vais pas même pas disputer ma dernière place. Hein. C'est déjà énorme, je suis pas tout seul là. Ah, je suis avec Barry. Qu'est-ce qui t'est arrivé, monsieur? Mon petit, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi aussi? Dernier. Je suis littéralement dernier. Oh, j'ai jamais fait pire. Jamais, jamais. Oh. Je sais pas, presque, ça fait presque 10 ans que je joue au jeu. Je crois que j'ai jamais fait pire. Je crois que c'est la première fois que je vois depuis que le Pro Cycliste existe. Je crois que c'est la première fois que j'ai un coureur qui touche la barre jaune vide. Oh mon Dieu. À la souffrance ultime. La souffrance ultime. Ah, et pas dernier, il y a eu un abandon, on n'a pas abandonné. 153e. Ah ouais, hein. Ah oui. On peut que monter, hein. On peut que monter. Oh mon Dieu. Attends, avec une 153e place, je reste 122e. Je reste pas dernier de mon équipe. Talman est quand même, arrive quand même à être derrière moi. C'est dire, quand j'ai dit Talman, j'arrive à être derrière lui. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je suis effaré. Abasourdi. Bonjour à vous. Le relief de la course est plat. Le peloton risque de rouler fort. On va essayer. Que tu dises. Mais Ah, je suis dépité de cette course d'avant là. Alors faire les 20 km. C'est loin d'être gagné. Attaque! J'ai pas Objectif, vu finir la tant de course. parcours pour s'engager si tôt dans Il une n'y a pas de telle grimpe échappée. aujourd'hui. Visiblement, Je suis un tout le grimpeur monde qui n'arrive attend pas à grimper. certains coureurs qui sont en train de Allez, allez. s'échapper en tête du peloton. Clairement, bon bah on a fait je crois 17 km sur 20. C'est déjà bien sur la demande de l'équipe, du chef. J'ai essayé de suivre, c'était pas la bonne idée. Je me suis cramé encore plus. J'ai essayé de temporiser, c'était plus la bonne idée non plus. Ils roulent beaucoup trop vite pour moi. Et je vais finir. 5 km à Je parcourir. vais finir, c'est ça.
Vu que je suis mort, autant être mort à 80, hein? Allez. Oh mon dieu. Objectif top 100. Ouais, le top 100, je l'ai même pas là. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Je suis dans les. Je suis dans la fin. Quoi? Ah, je suis pas le dernier de mon équipe. Cette fois-ci. Oh mon dieu. Pour l'instant, la sélection s'opère par l'arrière. Je peux pas sprint cette merde. Je sais pas pourquoi il me propose. Tout simplement grandiose. Il a devancé ses compagnons d'échappée pour remporter cette course. Les retardataires finissent au mental. L'étape a mis les organismes à genoux. Combien? 116e. Oh mon dieu. Oh, on part de loin. Ça va être compliqué cette année. Ça va être compliqué, hein. Ah, je pensais qu'il y avait peut-être une possibilité que je change d'équipe à la fin de cette année, en trouvant une équipe encore plus haut level. Waouh! Ah, j'ai bien fait de pas prendre une où je suis haut niveau dans mon équipe, mais là, je suis rincé. Alors, rincé. Il n'y a pas d'autre level. Je suis rinsax. Éclatax, même, je dirais. Éclatax au sol. Ah ouais, c'est... On va partir de très très loin, on va direct sur les résultats, parce que... Ouais, okay. Pour souvent, ça fait un peu de torture, le podium, où aucun de chez nous... Ah, j'ai été éclaté. On finit notre premier tour 122e. 122e. À 27 minutes. Wow, j'ai 7 minutes de retard sur mon coéquipier le plus au-dessus de moi. Ah, 22e, 23e, ils ont fait. Pas grâce à moi. Oh, pas grâce à moi du tout. Au point, bon bah on a fait 0 point, donc on n'est pas dedans. Montagne, on a fait 15e. Waouh, 15e en montagne. Éclatax, 44e en jeune. Éclatax. 11e en équipe. Oh purée. Le 122e qui fait mal. Waouh, le 122e. Éclatax, j'ai été éclaté au sol. C'est sous un beau soleil que va se dérouler la course. On est sur PCM, on est sur un début d'une série sur sur un pro cycliste. Donc bienvenue, n'hésitez pas à checker la chaîne YouTube par exemple si vous ne vous voulez pas rester, ben n'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube dans la description. Et si vous aimez PCM, n'hésitez pas à rester, on en fait tous les ans, là on en fera 3 fois par semaine si tout va bien. Donc on a commencé cette saison un peu en retard, on a commencé il y a 2-3 jours là. J'ai été nul à chier. Je fais un grimpeur, pour info.
N'hésitez pas à papoter, le chat est ouvert au non-follow, si vous n'êtes pas obligé d'être follow, si vous voulez papoter. Voilà. Je perds le fil de ce que je disais avant. Enfin, rien. L'objectif, c'est juste de rester assez haut dans le peloton, pendant que je me fais engouffrer par le peloton. Ils sont 5. Il y en a un qui a été lâché. Franchement, s'il y a une cassure, ce serait encore mieux. Pour l'échapper, là. Mais ça m'étonnerait. On va peut-être monter, là, pour la montée, là, justement. Si on se mettrait pas comme la course d'avant, là, derrière Ericsson. Ça nous a bien fait gagner. Ça nous a bien fait gagner. C'était pas vraiment le terme. Ça nous a été bien utile la dernière fois. On n'a pas vraiment d'objectif du chef. Je vais utiliser tous les mots sauf le bon à chaque fois. Comme ça, ce sera presque un running gag. Le DM. Hey, listen. Du coup, bienvenue du tout au Momo. N'hésite pas à papoter sur le chat. Je disais... Là, il y avait que 3... On est sur le tour de Provence. Moi, j'appelle ça le tour de Provence, mais c'est Alpes-Maritimes. Si on avait été, il y a un autre tour, c'est vraiment le tour de Provence. Donc, je dis une connerie. J'aurais bien kiffé que l'échappée se casse la gueule, mais en fait, 3 minutes, même si elle se casse la gueule pendant la montée, j'aurais pas l'énergie pour les rattraper, je pense, donc... Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de se placer en haut du peloton ? Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Ouais, je pense pas. On va voir, on va tester notre endurance sur cette montée juste en suivant Ericsson. Ericsson n'est pas le meilleur, hein. Il me semble pour ce que je veux faire, mais. C'est pas le pire. Ouais, sinon, je me mets derrière Reichenbach, hein, mon chéri, mon Reichenbach chéri. Allez, j'ai derrière mon Reichenbach. Oui, je dis ça parce qu'on a fait plusieurs saisons, à chaque fois on tombait dans la même équipe que Reichenbach. Et il nous avait bien carré. Ce n'est plus le moment de quitter l'écran des yeux. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. Est-ce qu'ils vont faire une cassure au moment du sprint ? Comme j'ai dit, s'il n'y a pas 20 points de grimpeur à un des échappés, peut-être que ça peut se jouer sur les prochaines étapes. Comme j'ai dit, cette étape-là, on reste tranquille. Hein, on va pas forcer. Juste faire ça. Essayer de me replacer un peu. Certains coureurs sont décrochés. Ouais, j'aurais pu faire ça comme ça. Tout. C'était plus logique. Ouais. Ouais, j'ai claqué trop tôt du coup. Bon, et j'essaie de reprendre en main certaines choses. Pas encore gagné. Essayer de se mettre à 65 relais pour essayer de remonter au niveau des relais. J'aimerais bien voir la gueule que j'ai sur cette montée, mais pas en suivre.
Hein, quoi? 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 Bon, ça. Ah, il m'a fait peur. Je crois qu'il avait été. Ah, il veut être en tête du peloton. Ouais, mais non. Non, trop tard. Ah, il considère que ça, c'est le peloton, et ça, c'est pas le peloton, c'est vrai. Voilà. Là, c'était un peu l'objectif que j'avais perso, mais c'est juste que bah, je vais pas t'aider à y aller tout seul. Juste essayer de recouper avec notre groupe. 65, c'est pas suffisant. Ah, ils ont créé une vraie cassure en fait. J'avais pas capté que c'était une aussi belle grosse cassure. C'est fait enfumer. Je papote et j'ai pas vu. Oui, on bosse dessus, on bosse dessus. On bosse dessus. Bon, moi je suis à 70. Hein, je teste pas plus haut parce que j'aimerais bien survivre à cette course. Je veux juste voir en même temps qu'est-ce que ça. 70. Mon 70, c'est pas le 70 de l'année dernière. Hein. Ouh. Ah ouais, je suis à la ramasse. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. Attention, une attaque en coupe de tête. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. Il reste exactement 15 km avant l'arrivée. Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. Un leader vient de se faire décrocher. Attaque de Dylan Tuns. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Les coureurs approchent de l'arrivée, ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Dylan Teuns vient de placer un démarrage. Et bien voilà, c'est un formidable succès, remporté aujourd'hui en solitaire par Dylan Teuns. La course est jouée, mais les malheureux du jour continuent à arriver. C'est dur pour le moral. Essayez de les reprendre eux.
ça me fait pas gagner grand chose, mais si je peux réduire un peu, réduire un peu, ça me fait pas perdre. Ça m'a fait quoi gagner 5 secondes? C'est toujours 5 secondes de prix, hein? On sait jamais. C'est pas avec ça que je gagnerai, mais. 41ème. Qu'est-ce que quoi? Ah, je suis arrivé à calculer mon effort, hein, pour la fin, mais. Est-ce que j'aurais pu suivre Reichenbach quand il est passé? Je sais pas trop, je doute que j'aurais pu. Il y a combien de différence entre Reichenbach et moi? Je peux pas le voir pour attendre que ça soit la fin totale. Ouais, je fais troisième de notre équipe. À top 50. Bon, vu le tracé. Et vu la cassure que j'ai pas vue. Putain, la cassure, j'ai vraiment pas vu. Kevin Jet, Gnet. J'ai jamais su comment ça se disait. On a fait une saison avec lui. Comment ça se dit? Ce qu'on fait, voilà. On va regarder le podium, même si ça sert strictement à rien. Voilà. Aucun. Notre équipe dans le podium. Et pas dans les 10 jeunes. Je pense. Non, ça. Ah non, on est 9ème. Autant pour moi. 8 minutes 38. Il me semblait qu'il y en avait deux autres. J'ai peut-être mal. Je juge pas les âges. Pour moi, tout le monde est vieux, tout le monde est jeune. Je sais pas. Je pensais qu'il y en avait deux autres encore devant moi. En jeune. Alors, 8 minutes 38. Après, c'est pas les 5 secondes qu'on fait la grande différence. Bon. Ça commence pas très très bien, on va pas se mentir. Je suis à combien du coup, je disais, de Reichenbach? Si j'avais suivi Reichenbach, j'aurais potentiellement, je serais à 5,24, à 3 minutes. Il m'a mis 3 minutes. Donc voilà, c'est l'air de rien, mon petit sprint à la con là. Il m'a fait. Non, c'est pas possible. J'ai pas pris 40 secondes sur ça. C'est pas possible. J'ai pas pris 40 secondes sur ça. Non, là, il y a un bug. 40 secondes sur mon micro-sprint, là? Non. Si j'ai vraiment pris 40 secondes. Oui, quand même. C'est violent, en fait, compte. On a les points. Je sais pas où mettre. Grimpeur boutonnaire, là j'ai pas le choix. Alors j'ai un bug ou c'est moi ou qui comprend pas le concept d'entraînement parce que. Soi-disant, je devais pas descendre en dessous de 20% pour mon deuxième. Course par étape, je suis pas coureur par étape normalement, moi je suis. Montagne et puncher. Et le puncher il a zéro. Je comprends pas. Soi-disant, ça te met sur le tuto. Ton principal, c'est 50%, et ça reste à 50% minimum. Et ton deuxième, ça reste à 20%. Et ces 20%, c'est coureur par étape. Il m'a changé de type de coureur, quoi. Je sais pas. J'ai pas compris.